par Raoul Alibre, le média indépendant du Pays niçois. Serat, oui, et benvegut à Café des Aigloons. Bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue au Café des Aiglons pour recevoir notre ami, monsieur Michael Roll. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à tous. Alors bonjour Michael, bah, écoutez, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors on va juste commencer par retracer un petit peu très rapidement le début de votre carrière, et puis le début de votre vie, puisque vous êtes né le 30 octobre 1976 à Lyon. C'est exact. Et donc de ce fait-là, vous avez commencé à jouer au FC Lyon. Exactement. Donc de pupille à minime. Hein. Voilà. Vous voulez que j'enchaîne ou Allez-y. C'est à vous. Donc effectivement, ouais, j'ai commencé le football très jeune. Donc à Lyon, jusqu'à mes 12 ans, j'évoluais au FC Lyon et puis l'Olympique Lyonnais m'a recruté pour ma première année de minime jusqu'à mes 20 ans où là ils n'ont pas souhaité me faire signer pro et donc j'ai eu la chance que l'OGC Nice fasse appel à moi, exactement, me contacte. Donc à l'époque j'avais l'OGC Nice et Montpellier qui était intéressé. Ah, bah ça et tombe bien pour aujourd'hui. Exactement. Et donc j'ai choisi l'OGC Nice. Voilà. Alors quand vous étiez, on va revenir un petit peu sur votre enfance en fait. Donc à l'époque vous jouiez à quelle place quand vous avez commencé? J'ai commencé numéro 10, milieu de terrain, vraiment jeune. C'est vrai qu'en général, les joueurs qui ont un peu plus de talent jeune évoluent généralement milieu de terrain ou attaquant. Mais c'est vrai que donc moi pour ma part c'était milieu de terrain. Et après, donc quand vous êtes parti de l'Olympique Lyonnais, vous me disiez vous aviez une promotion assez assez brillante, puisqu'il y avait à l'époque Cédric Bardon, Ludovic Joly, Fabrice Fiorez, Frédéric Canouté, Steve Malbranque. Alors quel souvenir vous avez de ce passage au centre de formation de l'Olympique Lyonnais? C'est des super souvenirs, effectivement. Comme vous le savez certainement, les centres de formation sont quand même une période qui est assez rude, assez difficile pour les jeunes adolescents. Mais voilà, j'ai eu la chance de vivre de ma passion à travers les études. Alors effectivement, c'est toujours délicat de concilier les études et le sport, surtout quand on est adolescent. Mais voilà, mes parents m'ont poussé un maximum pour que je continue mes études, parce que jusqu'à 18-20 ans, on n'est jamais sûr de signer pro. Ouais, et on n'est jamais sûr également de faire des longues carrières. Donc un petit conseil pour les plus jeunes, voilà, essayer de concilier les deux, c'est beaucoup mieux. Donc vous êtes allé jusqu'au bac, vous avez eu quel bac vous avez eu? Moi j'ai eu un bac éco. Bac B à l'époque ça s'appelait, non? Exactement, ouais. Bac B, et puis après j'ai fait une année de fac à ESMAS, donc c'était Mac appliqué au sciences sociales. Après ça devenait très délicat de concilier les deux, donc j'ai arrêté. En fait à quel moment vous étiez en sport-études? Parce que vous me dites que vous étiez en sport-études au moment de... Alors j'ai commencé le sport-études en classe de 4e. Donc assez tôt, mine de rien. Mmh. Et donc voilà, toujours il y avait des c'était vraiment le début des sports études dans les différents centres de formation. Donc il y avait un lycée, moi à Lyon, qui était vraiment rattaché à l'Olympique Lyonnais, mais qui favorisait quand même beaucoup plus l'enseignement technique. Et comme mais encore mes parents souhaitaient que je fasse plutôt des études secondaires, et ils ont préféré m'envoyer dans un autre collège au départ, puis après dans un autre lycée, qui eux recrutaient, disons, gardaient tous les sportifs de haut niveau, donc il n'y avait pas uniquement du football, ce qui n'était pas le cas d'Olympique Lyonnais, où eux c'était le lycée Faïs à Villeurbanne, où là il n'y avait uniquement que des footeux. Donc voilà, j'ai côtoyé beaucoup de sportifs de haut niveau, de plein de sports différents à Lyon jusqu'à ma terminale. Alors vous disiez qu'effectivement, peut-être que ça vous a un petit peu desservi d'être... Parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes de plus en plus d'être quand même, de penser 100% football, mais aussi, bon, ouais, si possible, de pousser leurs études, parce que c'est vrai que voilà, il y a pour 100 inscrits, il y a un élu, on va dire, hein, aujourd'hui dans les centres de formation, peut-être un petit peu plus, mais et donc vous dites que ça vous a un petit peu desservi parce que vous étiez assez un petit peu plus porté peut-être sur les études que les autres, et du coup ça vous a peut-être un peu desservi pour signer pro. Exactement. Parce que c'est Bréchet, je crois, qui était en même temps. Tout à fait, c'était Jérémy Bréchet. Qui a signé pro l'OGC Nice à ma place. Mais oui, non, à Lyon, vous voulez dire. À Lyon. Et donc effectivement, les centres en général, hein, même si aux parents souvent, alors c'était il y a 20 ans, même il y a 30 ans, souvent ils souhaitaient que les enfants quand même priorisent énormément le football, moins les études, et comme moi j'ai essayé de joindre les deux, à un moment donné, ils se posaient quelques questions sur ma réelle motivation à devenir footballeur professionnel. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont peut-être un peu moins donné ma chance à ce moment-là, mais bon, là, je regrette rien.
Et puis alors, vous aviez un agent à l'époque qui était un peu moins connu qu'aujourd'hui, enfin qu'il y a quelques années, c'était Pape Diouf. Exactement. Donc mon premier agent était Pape Diouf. Il a eu des joueurs bien plus connus que moi, mais effectivement, j'étais un de ses premiers joueurs du centre de formation à Lyon, qui m'avait pris sous son aile. Et puis voilà, après j'ai changé plusieurs fois d'agent, surtout quand j'étais à l'OGC Nice, parce que c'est vrai qu'ils restent assez nombreux dans ce milieu. Et donc il vous a proposé, enfin vous aviez eu deux propositions, donc d'un côté le gym, de l'autre côté Montpellier. Alors, qu'est-ce qui vous a fait pencher pour le gym en fait? Alors c'est le contact que j'ai pu avoir à l'époque avec Sylvester Takac, qui m'avait convaincu à travers son discours. Voilà, qu'il allait faire confiance aux jeunes. Moi, effectivement, à l'Olympique Lyonnais, je sortais de trois dernières années en réserve. Donc, je ne connaissais pas du tout l'équipe première. Et puis, au départ, je venais vraiment en complément de l'effectif. Et malheureusement, pour le joueur à l'époque qui était titulaire, Mister Martin, je ne me rappelle plus son prénom, Fred Martin, Frédéric, voilà. Frédéric. Fred Martin, quand je suis arrivé, s'est fait tout de suite les ligaments croisés. Donc c'est vrai que, exactement, Chin. Donc il a été voilà, à l'arrêt 6 mois, donc j'ai bénéficié de sa blessure, comme c'est souvent le cas pour les footeux, pour jouer rapidement. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tout à fait. Et puis en fait, vous me disiez que vous avez signé à Nice, mais vous n'étiez pas pro la première année, vous étiez stagiaire 3. Exactement. Ouais, parce que alors quand je suis parti de Lyon, j'avais fini mon contrat de stagiaire 1, stagiaire 2. Après, il y a une troisième année en option. Et donc, voilà, l'Olympique Lyon n'a pas voulu me garder. Donc, j'ai signé stagiaire 3 au gym. Après une bonne première année, effectivement, j'ai re-signé professionnel. Donc, ravi, que des bons souvenirs. Et puis après, c'était une période un peu pas chaotique, mais c'est vrai qu'on a changé beaucoup de fois d'entraîneur, beaucoup de dirigeants différents. Et puis, malheureusement, mon aventure aurait dû continuer parce que j'avais signé un nouveau contrat. Mais à l'époque, les contrats étaient limités. Je crois que c'était 26 ou 27 contrats pro à l'époque. Et j'étais le 20e, 29e ou le 30e. On était plusieurs dans cette situation. Donc, j'étais obligé de partir. Et donc, à mon grand regret, même si je ne le regrette pas, j'ai signé après 3 ans à Niort en Ligue 2. Alors, on va revenir, là on anticipe un peu, on va revenir sur votre première année au gym. Alors la première année, alors on va rappeler un petit peu l'effectif avec vos collègues qui étaient là à l'époque. Il y avait d'abord, on va pas tous les citer, mais il y avait notamment Youssef Salimi, Dominique Collanier, Bruno Valenconi, Fred Joria, Olivier Fugin, Jean-Philippe Mathieu, Franck Van de Castel, Franco Vignola, Pierre Aubameyang et puis Stéphane Cohn, l'Allemand d'ailleurs, qui avait marqué notamment contre Clibarnock. On va y revenir dans ce match. Hein? Oui, il y avait aussi Zoran Milinkovic, non? Bob avait arrêté l'année précédente. L'année précédente, ouais. Un point en moins pour être. Ça, c'est pas toujours évident d'avoir les... Des fois, même sur les photos, on ne reconnaît pas forcément toujours les joueurs de 30 ans, c'est pas toujours facile. Hein. Et donc, c'est Sylvester Takac qui est entraîneur, puis Michel Ranquin, puis Guy David, je crois, sur la même année, c'est ça? Exactement. Hein, et puis, je crois même qu'en fin d'année... C'est Victor Zvinka qui est arrivé. L'année suivante, c'était Victor Zvinka. Mais est-ce qu'il exactement a entraîné la dernière? Je ne sais pas, vous avez souvenir, vous, de... Parce que Victor... Enfin, on a eu... Donc, il y a eu Sylvester Takac. C'est vrai que la saison a été compliquée. On termine 14e, hein, donc c'est pas... Une mauvaise saison. Les saisons sont compliquées. Bon, après, vous avez joué la Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes, à l'époque. Puisqu'on avait gagné la Coupe de France, donc l'année précédente, bien sûr. Hein. Et donc, on était en Ligue 2, on joue la Coupe des Coupes. Et puis, racontez-nous ce match contre Clibarnock à domicile. Alors là, il y avait le feu, on se souvient un peu de ce match. Deux buts de Stéphane Cohn et vous marquez le 3-1. Exactement, ouais. Ça fait déjà 20 ans, mais malgré ce temps, j'ai encore bien tous ces instants. Qui a centré? Parce que moi, j'arrivais sur YouTube, mais je n'ai pas réussi à retrouver qui a centré. C'est notre ami yougoslave, j'ai oublié son nom. Milinkovic qui centre. C'est Milinkovic qui centre. C'est lui qui centre et vous marquez de la tête, deuxième poteau. Exactement. Donc non, super souvenir, hein. 20 ans. Pour tout le monde, je pense. C'est premier, vrai que c'était... Voilà, premier match en Coupe d'Europe, premier but, le Ré en feu, donc que d'excellents souvenirs. Et puis après, donc, y a le match retour, un partout là-bas. Tout à fait, qui a été très compliqué. On a quand même énormément subi, mais malgré tout, on a fait le dos rond, on a été solide derrière, et puis on se qualifie là-bas. Donc, c'était. Qui c'est qui marque là-bas? Vous vous souvenez? Milinkovic qui égalise là-bas. Peut-être, je ne me rappelle plus là. On a les deux Bibles, enfin il y a plusieurs Bibles là, donc on se renseigne un peu quand on a les Bibles.
Et après, donc, malheureusement, bon, on est éliminé aussi au tour suivant sans perdre, puisqu'on fait 2-2 et 1 partout contre le Cercle de Bruges. Non, c'est pas le Cercle de Bruges. Prague. Prague. Ouais, on fait. Prague, pardon. Ouais. Le Cercle de Bruges, on l'a jamais joué, je crois. Je sais pas pourquoi je dis Cercle de Bruges, mais bon. Donc c'est le Slavia Prague. C'est le Slavia Prague ou le RC Prague, je sais plus. Slavia, Slavia ouais. Prague, c'est le Slavia. Ouais, c'est ça, Slavia au match aller, on fait un. Si je me rappelle bien. C'est un club tchèque. Ouais. Un club tchèque. Ouais, le match aller, on fait une très mauvaise première mi-temps. Où il me semble, on perd 2-0 assez rapidement. Et puis on a réussi à réinverser la tendance et à égaliser. Et on fait un bon match retour, mais bon, malheureusement, on prend un but dans les dernières minutes qui nous élimine. Oui, c'est ça. Avec les buts marqués à l'extérieur. Qui, Exactement. Et c'est vrai que. Vous vous souvenez de cette. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? À un moment donné, effectivement, Jibo veut gagner du temps, donc il simule une blessure. Et finalement, on le sort, on fait un changement. Et on prend le but à ce moment-là, non? On prend le but en ce moment-là. Et surtout qu'Anjibo était quand même assez en jambes. Donc c'est vrai qu'il aurait dû rester sur le terrain, mais bon. C'est ça, oui, au moment du changement. Oui. Moi, je n'ai pas souvenir, mais c'est vrai que. Enfin bon, c'est comme ça, malheureusement. Oui, Vente de Castel. Franck Van de Castel. Exactement. Alors à la fin de la première année, donc vous passez donc professionnel. Tout à fait. Et vous aviez déjà d'ailleurs à 19 ans, vous aviez eu un contact avec, on le sait peut-être pas, enfin le public le sait peut-être pas, les supporters, mais vous aviez eu un contact avec la Sampdoria de Gênes. Oui, bah comme vous le savez à cette époque-là, les Italiens étaient déjà bien rentrés dans le club. Et oui, c'est vrai. Il y avait donc effectivement, il y avait déjà Onorati. Qui était au club. Et puis, il y avait eu un changement de président après le départ de Mandaric. Mandaric, oui. Il y avait M. Salvi. Voilà, exactement. Et donc, il y avait quand même beaucoup d'Italiens qui rôdaient autour du club. Et à la fin de ma première année, comme j'étais effectivement libre, parce qu'après, on a toujours le choix de signer professionnel, on le souhaite, j'avais été approché par la Sampdoria de Gênes. Mais bon, pour des histoires que je n'ai pas vraiment eu les raisons, ça a avorté et de toutes les manières, il n'y a pas eu de souci parce que j'étais ravi de signer pro au gym. Au gym, oui, je me doute. Alors, il paraît que vous me disiez que le retour de Klimbardock reste un de vos plus beaux souvenirs aussi. Il paraît qu'il y a une belle fête. Oui, bien évidemment. Il paraît que c'était orchestré par Onorati. Exactement. Alors, pourquoi Onorati? Pourquoi Onorati? C'était quelqu'un, c'est un Italien, donc très, très festif, beau garçon, généralement toujours bien entouré, qui savait. Qui connaissait tous les lieux. Qui connaissait très bien la Côte d'Azur. Donc, effectivement, c'était. C'était lui l'organisateur des soirées. Tout à fait. Donc, il avait toujours les bons plans. Les troisièmes mi-temps. Alors, vous me parliez aussi de Ludovic Stefano. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de ce Ludovic Stefano qui, lui, pendant. Vous étiez en chambre avec lui. Alors, vous aviez des petites. Ouais, ça, c'est les petites anecdotes, en fait. C'est les petites anecdotes avec lui. Effectivement, on était régulièrement. Chaque fois qu'on était convoqué pour les matchs, on était ensemble en chambre. C'est vrai qu'on avait pris bêtement l'automatisme, une habitude un peu stupide, mais on avait pris quand même l'habitude. Chaque fois qu'on partait pour aller jouer, avant de quitter notre chambre, on la mettait un peu en pagaille. C'est vrai que c'était des petites anecdotes. C'était pas méchant. Mais c'est vrai qu'on se dit 20 ans après, c'était un peu du n'importe quoi, mais c'était devenu une habitude. Donc on va continuer. Et puis à l'époque, vous me disiez que vous habitiez à la résidence L'Arcadia à Fabron. Oui. Et que c'était. Nice West. Effectivement. Et que c'était assez sympa cette résidence parce que vous y avez tout pour passer des bons moments en dehors du foot, quoi. Pétanque, piscine, etc. Alors, tout à fait, c'était le lieu entre guillemets des jeunes. J'avais les Calegari, les Savigny, à l'époque il y avait Stefano, Potier, Franck Potier, Albert Ganti. Donc c'est vrai que c'était vraiment notre lieu de réunion, de moments de plaisir. Et souvent, on oubliait l'ordre d'entraînement. Donc, c'est vrai que régulièrement, on arrivait en retard. On ne donnait pas réellement les raisons, mais nous, on les connaissait très bien. Et puis, donc, il y a votre deuxième année, donc c'est 98-99. Tout à fait. Hein, au club. Donc là, c'est Viktor Zvinka. Bon, on connaît un petit peu la réputation de Viktor Zvinka, hein, comme celle de Vahid Halilhodžić ou de gens comme ça qui sont assez, je crois, enfin, vous allez me confirmer, mais assez. Un petit peu un entraînement un peu militaire, quoi. C'est un peu. Complètement, oui. Alors, il a fait ses preuves, hein, bien évidemment, mais. Ah oui, il a entraîné dans 40 clubs. Exactement, et je l'ai retrouvé, malheureusement, entre guillemets, à Niort pour ma dernière année, donc la fin a été la même. Il ne m'a pas conservé. Mais effectivement, oui, voilà,
ses plans de jeu ne me convenaient pas. Il appréciait plus ou moins ma manière de jouer. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé régulièrement remplaçant. Pourtant, il jouait avec 11 défenseurs en général. Hein. Ouais, mais je ne convenais pas non plus. Et puis donc, d'ailleurs, il est remplacé pendant la saison. Il est retour de Sylvester Taka, qui était, je crois, directeur sportif et qui revient dans la saison, c'est exactement, ça ? Exactement, tout à fait. Pour cause de résultats, parce qu'on finit encore une saison encore un petit peu oubliée, parce qu'on finit encore 14e. On est encore, Ouais, non, on fait... Alors, c'est vrai que la première année, on avait vraiment de fortes ambitions avec un mélange d'anciens, des joueurs qui venaient, Franco Vignola, Franck Van de Castel, quand même des joueurs de Ligue 1 qui avaient fait leur preuve, et également la victoire en Coupe de France, donc il y avait quand même une certaine attente des supporters, et malheureusement la mayonnaise n'a pas pris, et c'est vrai qu'on a rendu les supporters quand même assez tristes, et on les a déçus de nombreuses fois. Alors, dans l'équipe, il y a quelques joueurs qui arrivaient du centre de formation, soit qui arrivaient de l'extérieur, comme Marco Grassi, qui est arrivé, je crois, en cours de saison. Ouais, En fin de deuxième saison. Bon, il y avait Patrice Albaganti, qui était tout jeune à l'époque. Mm-hmm. Thibaut Scotto, Frédéric Tatarian, Bill Chateau et Damien Gregorini aussi dans les buts. Je ne sais pas si tu es titulaire d'ailleurs à cette époque-là. Damien, il me semble que si. La deuxième année, il était titulaire. Et donc oui, vous disiez que c'était peut-être Valenconi dans les buts, hein, plutôt. Mitrano dans les buts. Mitrano. C'était Valenconi ou Grégory. Je pense que c'était encore Valenconi. La première année, c'était Valenconi et Robin Huck. La deuxième année, c'était Valenconi et Grégory. Grégory qui est devenu titulaire plus tard, oui. Exactement. Et vous me disiez que vous étiez, forcément une saison mitigée. En anecdote, vous me disiez que vous étiez resté vraiment copain avec Bruno Valenconi. Vous avez toujours contact avec lui régulièrement? Exactement. Bah, tout au long de ma carrière, c'est vrai que j'ai toujours lié d'amitié avec les gardiens de but. Je ne connais pas les raisons, mais effectivement, j'ai eu Bruno Valenconi, Damien également, j'ai gardé contact régulièrement. Et puis après, à travers mes différents clubs, c'est vrai que les gardiens, je ne sais pas les raisons, mais c'est vrai que j'ai toujours gardé de bonnes amitiés avec eux. Alors, quelles étaient les qualités de Bruno Valenconi en dehors du terrain? C'est un super mec. Je pense que vous le connaissez tous. Hein. Il habite toujours sur Nice. Il a fait énormément de bien au club. Après, vous connaissez la fin qu'il a eue, mais c'est un super mec. On peut lui faire confiance. C'est quelqu'un de parole. Donc n'hésitez pas dès que vous le voyez à aller le saluer. Alors après, donc vous deviez re-signer. On va revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, puisque là, on fait un petit peu de façon chronologique. Hein, donc vous disiez que vous deviez rester effectivement. Au gym, vous avez re-signé pour 2 ans, mais votre contrat n'est pas homologué par la Ligue, parce qu'en fait, à l'époque, on avait une limitation de 25 pros. Ouais, 25 contrats. Exactement. Et le gym avait 29 contrats, je crois, et du coup... Exactement, donc hyper déçu, parce que je voulais vraiment continuer l'aventure, mais on a essayé de trouver des solutions de repli. Malheureusement, on avait voulu me prêter à Cannes, ce n'était pas fait, me prêter à Guignon, et puis... comme la saison commençait à se lancer, beaucoup de clubs commençaient déjà à recruter ou avaient même des effectifs au complet. Donc je me suis vite, j'ai vite pris le choix de partir et donc j'ai eu une proposition de Niort en Ligue 2 et donc j'y suis resté 3 ans. Et donc d'ailleurs vous disiez que quand Niort venait jouer au Ray, vous aviez toujours une ovation supporters du gym, vous n'avez pas oublié. Ça m'avait fait chaud au cœur, mon premier retour au Ray, j'étais vraiment ravi, ça m'avait fait chaud au cœur, j'en garde un bon souvenir parce qu'il me semble qu'on avait gagné quand j'étais revenu avec Niort. J'ai pas souvenir mais bon, je vais pas souvenir des défaites mais bon. Mais c'est vrai que oui, c'est pas forcément évident. C'est vrai que quand on voit on n'est pas forcément toujours bien accueilli quand on revient dans un club, suivant la façon dont on s'est comporté dans le club. On peut le voir aujourd'hui, les vrais supporters de longue date sont présents lorsque les anciens viennent, même s'ils ont marqué plus ou moins l'histoire du club, parce que j'ai vécu que 2 années. Mais de vous voir aujourd'hui présent, ça fait également quand même chaud au cœur. Alors, et puis, vous avez eu la chance de faire avec Niort justement une demi-finale de Coupe de la Ligue en 2001. Exactement. On s'est fait éliminer chez le voisin, Monaco. À Monaco. Alors ensuite, vous avez évolué à l'AS Cherbourg, à Valence, à Montluçon
Et vous terminez votre carrière chez Pascal Duprat à Croix-de-Savoie. Exactement, qui à l'ETG, oui. Qui ensuite est devenu Lévian Tonon Gaillard. Ouais, et puis. Qu'on a connu il y a quelques temps encore à haut niveau et qui, voilà, bon, malheureusement. Le club a disparu. Le club a disparu. Et donc, quel souvenir vous avez de ce passage avec Pascal Duprat, qui était un entraîneur plutôt sympathique? Alors, c'était pour mes débuts, c'est quelqu'un de très. Qui arrive à fédérer, à mobiliser les joueurs sur du court terme. Voilà, je l'ai bien connu, je l'ai pratiqué pendant 3 ans. Voilà, c'est un super meneur d'hommes, c'est une réalité. Après, comme tout meneur d'hommes, malheureusement, sur la durée, après, il lasse un peu. Exactement, et après, il est un peu moins entendu. Donc, c'est vrai que voilà, je pense que c'était le coach qu'il fallait à Toulouse pour qu'il puisse se sauver. Après, voilà, il a eu un peu plus de difficultés à maintenir Toulouse en Ligue 1 et puis à obtenir des bons résultats. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il s'est fait limoger. Mais ouais, une belle aventure. J'ai eu une carrière quand même assez, pas chaotique, mais j'ai eu beaucoup de blessures. Donc c'est vrai qu'entre une pubalgie, des ligaments croisés, une liquidation judiciaire après une montée. Oui, avec Valence, oui. Avec Valence, exactement. Ouais. Donc voilà, c'était... Ouais, carrière professionnelle ne sont pas toutes roses pour tout le monde. Elles peuvent être compliquées. Compliquées, oui. Alors on va vous demander un petit peu votre sentiment sur, vous avez connu le GC Nice bien sûr il y a 20 ans, donc on était à l'époque, c'était un petit peu le pain noir quand même quand on était en Ligue 2, c'était pas toujours évident évidemment, surtout pour les supporters, parce qu'on sait tous que voilà, notre club méritait à l'époque minimum la Ligue 1, donc c'était difficile à digérer d'être en Ligue 2. Et donc quand vous voyez l'évolution aujourd'hui, le nouveau stade, le nouveau centre d'entraînement, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous pouvez être fier aujourd'hui du club de l'OGC Nice. C'est vrai qu'il a évolué maintenant depuis... Voilà, le président Cohen avait déjà commencé à faire évoluer le club et qui retrouve vraiment sa place en Ligue 1. Et puis voilà, le président Rivière également avec une stratégie sur le long terme a permis au club vraiment de se maintenir, prendre l'habitude de se qualifier en Coupe d'Europe chaque année, avoir un stade flambant neuf, stade moderne. Aujourd'hui, si on veut avoir un club et avoir des résultats, essayer de faire venir les supporters, il faut avoir un stade moderne. Aujourd'hui, il y a également un centre de formation qui vient de sortir de terre, qui est top. C'est magnifique. Ouais. Donc voilà, il y a tous les outils aujourd'hui pour que le gym devienne un club vraiment du top 5. Voilà, attractif et compétitif avec de vrais résultats dans le championnat et également sur la scène européenne. Voilà, ce que méritent les supporters qui sont toujours présents et exactement. Qui font encore plus de bruit qu'auraient, même s'ils sont moins, ils sont un peu plus loin de la pelouse. Mais bon, après, ça, c'est malheureusement, on peut pas refaire l'histoire. Hein. Alors après, donc, quand vous avez votre dernière année à Évian-Thonon-Gaillard, donc vous avez une reconversion, ça a été une chance. Vous avez été contacté par le sponsor principal du club, qui était Danone. Tout à fait. Et donc, vous travaillez pour notamment les boissons, on peut les citer parce que ça ne sont pas alcoolisées, donc Evian, Badois, Volvic, Salvetta, on va leur faire un petit coup de pub. Donc, vous êtes directeur commercial, donc vous gérez une équipe carrément là-bas. Alors, je suis directeur régional des ventes. Donc, effectivement, à la fin de ma carrière, Evian, Tonon Gaillard, dont Danone était le partenaire principal, j'ai saisi l'opportunité d'une reconversion au sein de l'entreprise. Et donc, après quelques formations, j'ai pris un poste de commercial donc, dans tout ce qui était hôtellerie-restauration. Et puis maintenant, je gère une équipe de commerciaux sur toute la région Rhône-Alpes et Bourgogne. Voilà, je manage. Mais rassurez-moi, vous buvez un peu de rosé quand même aussi? Un petit peu. D'accord, bon, ça va alors. C'est pas de souci alors. Et il me semble que le club ne travaille pas avec de l'Evian. Il faudrait que peut-être je rencontre la bonne personne. Parce que... Je sais pas. Il travaille avec qui avec. Il me semble que c'est Cristaline. Cristaline, ouais. Il me semble. Ouais, c'est pas le même prix. C'était pas le même prix des bouteilles. On est d'accord. Il y a beaucoup de clubs d'ailleurs qui travaillent avec Cristaline parce qu'effectivement c'est. Elle est pas chère. Elle est pas chère. Les bouteilles sont un peu plus bas de gamme, je dirais. La qualité. Vous avez raison. Je ne dirai rien. On va discuter. Ebrick va faire remonter si on pouvait travailler avec Evian. Si on a du bon prix, je pense que ça peut se faire. Ah, Ebrick, c'est possible. On peut toujours trouver un accord. Si tu as le prix de l'Evian à la cristalline, ça va pouvoir se faire ou pas? Oui, bah voilà. Donc, vous voyez ce qu'il me reste à faire. Hein. ça va être compliqué, mais bon. Et puis, bon, vous revenez effectivement régulièrement à Nice, plusieurs fois dans l'année, parce que vous avez rencontré votre épouse à Nice. Exactement, tout à fait. Et donc, votre belle famille est à Nice. Et tout donc à fait. Vous revenez de temps en temps prendre un peu le soleil. Donc, je reviens régulièrement dès qu'il y a une petite semaine de vacances. On descend à Nice, voilà, une belle famille
qui est toujours ravi de nous accueillir, et puis le climat qui est très favorable. Donc voilà. Et puis donc voilà, non, on est ravi. Quand je descends, c'est que je suis en vacances, donc en général tout se passe bien. Voilà, mais c'est le cas aujourd'hui, donc vous êtes redescendu. Tout à fait, exactement. Voilà, vous êtes en vacances. Exactement. Je remonte après le match, parce que demain voilà. Boulot. Bon, ben on va passer. On vous remercie, on vous applaudit bien fort. On vous remercie pour merci pour, à vous d'être venu nous voir. Et puis on va passer aux questions des supporters. Ah, première question. Ah. Alors Mika, sur le match contre Kilmarnock, il y a une particularité. Est-ce que tu te rappelles laquelle? Une particularité, laquelle? Bah, c'est une particularité sur les buts. Ça, ah bah, ils ont été tous marqués de la tête. Voilà, c'est ça. Donc après ma question, c'était l'avant-centre allemand qu'on avait à l'époque, Kohn. Oui, Stéphane Kohn. Voilà, qui s'est blessé. Qu'est-ce que tu en pensais s'il n'avait pas eu sa blessure? Il aurait pu faire une belle carrière, non? Alors, c'était un très bon attaquant, mais il fallait qu'il soit quand même énormément alimenté par deux, à l'époque c'était deux ailiers, donc il y avait Franco Vignola et Franck Van de Castel. Ça restait quand même un attaquant, je trouvais, pas très moderne. Il jouait très peu en remis, c'était toujours en la profondeur. C'était le finisseur. Après, je crois qu'après le gym, je sais pas, j'ai plus de nouvelles, je sais pas s'il a performé derrière ou s'il a arrêté sa carrière, mais ouais, il nous a fait quand même une relative bonne saison, je crois que c'est notre meilleur buteur sur cette année 97-98, mais on aurait pu avoir meilleur, si c'était ta question. Après, avec quel joueur le plus technique tu as évolué? Alors j'ai eu la chance en centre de formation de côtoyer Stine Malbranck et Courtois, qui étaient deux très très bons joueurs, très techniques. Après, Dominique Olagnier était relativement très technique également au gym. C'était un super joueur, hein. Doumé a fait lever le ré plus d'une fois. Donc voilà, ça reste. J'avais un Franck Gava également à l'Olympique Lyonnais qui était très technique. Et puis Ludo de Joly dans les petits espaces qui était plutôt pas mal à l'Olympique Lyonnais, exactement. Là, tu es parti dans le commercial, mais tu n'aurais pas aimé une reconversion dans le football, entraîneur ou... Alors, non, mon choix avait été fait depuis de longues dates. Non, j'adore ce milieu, voilà, j'adore le football, je suis un vrai passionné. En revanche, en tant que footballeur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas une vie de tout repos, à part vraiment quand on est vraiment au-dessus du lot. Et je voulais vraiment avoir une situation beaucoup plus stable, voir autre chose. Pouvoir également profiter des week-ends en famille, de partir en vacances en juillet et en août. Donc non, mais c'est vrai que ça fait souvent sourire. Mais voilà, le footeux, peut avoir une vie dorée effectivement, mais il y a quand même beaucoup de contraintes également. On est en décalage avec pas mal de choses. Donc voilà, je voulais pas avoir cette incertitude de signer 1-2 ans et puis après repartir. Et aujourd'hui, il y a des entraîneurs, alors à part les très connus, mais beaucoup d'entraîneurs qui galèrent. J'ai beaucoup d'amis qui sont entraîneurs de équipe U19, U17. Ils sont pas que dans le confort. Ça peut être aussi compliqué au quotidien. Donc voilà, je voulais voir autre chose. Je me suis mis en danger parce que effectivement, depuis tout petit, je connaissais que ce milieu-là, le football. Mais aujourd'hui, j'en suis ravi. Donc aucun regret. Et consultant pour la télé non plus, ça te branchait pas? À l'époque, on n'était pas trop sollicité. Mon nom ne faisait pas non plus trop rêver. Donc, j'ai pas du tout été contacté. Mais pourquoi pas, ça aurait pu être sympa. Bonjour Mickaël. Pourrais-tu nous dire quelle était l'ambiance dans les vestiaires à l'époque de 97, quand l'OGC Nice a gagné la Coupe de France, sachant qu'on descendait en D2 en jouant l'Intertoto et la Coupe des Coupes? Alors, la Coupe de France, moi, je n'étais pas encore arrivé. Je suis arrivé juste après qu'ils aient gagné la Coupe de France. Il y avait vraiment une très, très bonne ambiance entre nous tous. Malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris. Donc ça, c'est à notre grand regret. Mais il y avait vraiment une équipe de potes. Il y avait quelques étrangers qui étaient peut-être un peu moins... intégré à l'équipe, qu'on voyait très peu à part les moments d'entraînement, mais c'est un groupe qui vivait plutôt bien ensemble, donc un groupe sain. D'accord. Pourquoi tu avais des... Non, non, non,
mais parce que, vu que comme on avait gagné la Ligue la Coupe de France, mais comme on était redescendu en Ligue 2, peut-être il y a eu un coup sur le moral ou on était beaucoup en tension aussi. Ouais, il y a eu beaucoup de changements entre l'équipe qui a gagné la Coupe de France et l'équipe de la saison d'après. Il y a eu quand même, il n'y avait plus les Vermulen, il n'y avait plus les Deneuf, il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis. Donc il n'y avait pas la même équipe. Je pense qu'ils avaient voulu quand même faire table rase de la saison précédente avec une descente. Et ils voulaient changer de fond de jeu, de joueurs, apporter un peu de sang neuf. Donc ça n'a pas pris. Mais le groupe était sain et l'ambiance était bonne. D'accord. Par contre, quel joueur qui t'a le plus impressionné par rapport à ton passage à l'OGC Nice ? Au gym ? Oui. Pablito était quand même un super joueur. Pablito Rodriguez, que vous avez tous connu. Pablito, Doumé était très fort. Après, je suis resté que 2 ans et c'est vrai que ce n'était pas les deux plus belles années en termes de résultats. Donc, on a quand même relativement eu du mal à briller. Mais Dominique Collanier, Pablito, Didier Angan était un très bon défenseur également. Pareil, je n'ai pas une nouvelle. Donc je sais pas, il n'est jamais revenu, Didier ? Non. Oui, bonjour Eric. J'ai deux questions pour poser. Déjà, première question. La LFP a décidé de mettre en place l'année prochaine de vidéosurveillance pour les matchs au niveau arbitral. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, je trouve que la vidéo est une bonne chose aujourd'hui par rapport aux enjeux qu'il y a en termes de classement. Moins il y aura d'erreurs, mieux ça sera. Donc effectivement, aujourd'hui, le métier d'arbitre n'est pas un métier facile. Donc je pense qu'ils peuvent être aidés par la vidéo, c'est un plus. En revanche, effectivement, pour le spectacle, c'est peut-être un peu moins bien. Voilà, aujourd'hui... Exactement. Ouais, tout à fait. Après, je trouve, moi, je fais le comparatif avec le rugby. Le rugby, ça se passe très bien. Hola, mio bella Nisa, regina dei fluvi, vittorisa, io canterai tu giù, cantai ai montagna, io ti L'itiu verdi campagna, l'itiu gran soleil d'or.